Et bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de Kingdom Hearts 3. Aujourd'hui, on tente à condenser, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va faire le monde de réponse en un seul épisode. Tout ça très bien monté, ça va faire peut-être 30 minutes de vidéo, 20 peut-être. On va voir ça et voilà, donc ça va être très rapide. Vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis bah, si ça marche bien, on continuera comme ça jusqu'à la fin. Et si ça marche pas du tout, et bah, on reprendra le rythme normal, c'est-à-dire bah, tout filmer et avoir un monde, ça dure 4 épisodes. Enfin bon, c'est parti, testons ça. The outside world is a dangerous place. You must stay here where you're safe. Oui, c'est ce que me disent mes parents tous les jours. C'est pour ça que je sors jamais. C'est vrai. Je vous jure. Those lights appear every year on my birthday. C'est quand même bizarre. On my birthday. And I can't help but feel like they're meant for me. Quand je vous disais que ça rendait trop bien dans l'épisode d'avant. Rien que le logo est trop stylé. Ça annonce toute la couleur. Oh mais comment il se casse aussi, ça c'est parfait. Le go il s'en va, il fait non, moi je me TP, j'ai pas le temps. I'm sure we were brought to this world for some good reason. Vous êtes des touristes. Vous êtes des touristes, y'a que ça à dire. Non, s'il n'y a pas de sang-cœur, Donald, vous êtes des touristes à 100%. Oui, non, mais jusque-là, tout est normal. Un homme qui crie dans la nature, oui, bah moi ça m'étonne pas, on est dans Kingdom Hearts quand même. Faut bien que le scénario nous fonce dessus, sinon comment est-ce qu'on va choper le scénario? Voilà, et voilà le scénario. Il nous saute dessus littéralement. Bon bah aucune difficulté pour les sans-cœur, ça c'est fait, déjà débarrassé. Par contre Flynn s'est barré, genre il a pris la fuite. Du coup bah faut clairement aller le chercher parce que bah on lui a dit qu'il pouvait se barrer mais en fait il a pas le droit. Ah bah voilà pourquoi pas. Je tiens juste à prendre un moment pour soulever quelque chose, écoutez cette musique. Cette chose là, le insupportable. Avec voilà ce petit instrument insupportable. Vous avez de la chance, vous n'allez pas beaucoup l'entendre. Moi j'entends cette musique en boucle. Genre mais vraiment la musique change quasiment pas. C'est toujours les mêmes notes quasiment. Là ça change oui, mais il y a des moments où ça change. C'est quand même heureusement. Mais c'est relou. C'est clairement relou, vous avez du bol. Mais où est donc passé Flynn? Apparemment il est parti dans cette direction. Mais il n'y a aucun moyen d'avancer. Enfin c'est un cul-de-sac. Clairement. Clairement. Clairement, Sora, devant toi, il n'y a pas de chemin caché, ne cherche pas. Hein. Non, il n'y a rien, Sora. Ouais, il a réussi. Hey, now Sora's gone too. Vous êtes aveugle. Un passage secret, il est tellement bien caché, regardez ça. Waouh, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Ils auraient pu mieux le cacher quand même. Au moins pour qu'on ait l'illusion que c'est planqué en fait. Pas que Sora soit juste devant en mode. Oh, je vois pas comment passer. Hein, vraiment. C'est un mur. Un mur avec des trous dedans, je comprends pas trop. Et le mur a l'air de bouger. C'est des lianes. Enfin, des fougères. Je ne comprends pas. Et Flynn s'est évidemment fait ligoter avec des cheveux. Je sais pas qui a ce genre de fantasme, mais je sais que ça doit exister. Ça doit être très malsain. C'est même très bizarre. Do you know what these are? You mean the oui, c'est une peinture. Lanterns. I knew they weren't stars. Qu'ils lancent pour la princesse, c'est quand même bizarre. They will light the night sky with these lanterns. You will act as my guide. Take me to these lanterns and return me home safely. Then, and only then, will I return your satchel to you. That is my deal. Pascal est un tueur en série. Réellement, c'est un tueur en série. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. Oui, ça c'est bien vrai. I am serious. T'as beau être très bien animé, je pense que tu es un sacré fils de pute. Something tells me this could be her first time outdoors. Ouais, bah comme moi. First time ever?
Bah écoute, moi je suis pas sorti beaucoup non plus de ma vie, je peux te dire que j'aurais été pareil. Hein. Ou pas. I can't believe I did this. I can't believe I did this. I can't believe I did this. Mother would be so furious if she knew I disobeyed her and left the tower. But that's okay. I mean, what she doesn't know won't kill her. Right? No. Oh my gosh. This would kill her. This is so fun! I am a horrible daughter. I'm going back. I am never going back! I am a despicable human being. Best day ever! Nous sommes des touristes. Mais elle est encore pire. Oh, a little more than a little. More what? A lot. Yeah. Stop right there. Who are you? Oh. Et c'est maintenant qu'elle réagit. I told you before, my sidekicks. Sidekicks? May I introduce My name's Sora. Yo, Zora. Oui. Pour Donald est un gaucho, ok. Donald and Goofy. It's nice to meet you too. I'm Rapunzel. Look, she really wants to see the lantern show tomorrow night. Now I'm a nice guy, so I've decided to help her. Only problem is those monsters might show up again. I can get her to the kingdom, but you guys are clearly more cut out for combat. Monsters, we're heroes! And we're heartless experts. Yeah. Just leave it to us. Done. C'est tellement stupide. Et c'était trop simple à embobiner. Veux-tu bien ramasser tes cheveux, réponse. Oh. Là, je suis sûr qu'on peut nous suivre. What is that? It's so fluffy. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais emmener de filles avec vous sur des grands voyages très périlleux. C'est pour ça. Ouh, c'est sexiste. Oui, mais c'était une blague. Donc c'est pardonné. Rapunzel? It's okay. I'm not afraid to face them. Je vais mettre des coups de cheveux, ils vont rien capter. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? C'est juste des plantes. Des plantes. Ça se trouve, elle est vegan et du coup, elle va les manger. Elle est omnivore. Est-ce qu'on dit omnivore quand on mange de tout? On dit ça pour les animaux, mais est-ce qu'on dit ça pour... Dans tous les cas, je mange de tout, moi aussi. Je peux les manger aussi. YOLO. Ok, c'est des fleurs, mais... Enfin, c'est quand même comestible. Non? Peut-être? Oh, ça se mange, allez. Pourquoi pas? Au pire, un bon coup de marteau. Un peu de feu pour les griller. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Hop. Le mixeur. Le mixeur, le feu. Il me faut un peu de tout. Attendez. 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 Est-ce que ça fait du popcorn sur les grilles en vrai? Là, je sais que le jeu est pas assez réaliste, donc ça le fera pas, mais... C'est pas vraiment du maïs, mais... Du maïs. Du maïs. Ok, bon. C'est l'heure de le faire à manger. Bon, bah je vois que ça n'aura pas suffi. Tant pis, Donald, tue-les tous. Non, parce que... Ils sont revenus. Ils méritent tous de mourir. Ah, voilà. Ah, puis tiens, réponse, pourquoi pas. L'attaque des cheveux. R attaque. Ouf. D'accord, pourquoi pas. Écoutez, chacun ses attaques. Moi, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Bon bah, c'était rapide et efficace. Passons à la suite. Une couronne. Ils l'ont retrouvée. Ils savent que c'est une princesse. D'après ma carte... C'est pas une carte. Elle s'est fait kidnapper par quelqu'un qui sait que c'est une princesse. Bonsoir, je suis non-binaire. Non, c'est juste un gars, mais moi je pensais que c'était une fille la première fois que je l'ai vu dans les jeux. C'était il y a longtemps, j'étais jeune. Et c'est sur un jeu sur DS, il était pas très très HD.
Et on n'avait pas sa voix. Et voilà, elle est contrôlée. Bah oui, parce que c'est vrai que ce qu'on oublie vite, c'est que la mère de réponse, c'est une méchante, mais pas totalement. Donc il faut la contrôler pour qu'elle soit encore plus méchante. Sinon, elle est pas assez méchante. Bah oui, parce que oui, elle a déjà pas assez le cancer. C'est pas comme si, de l'un, c'était pas sa vraie mère. C'était une sorcière qui avait kidnappé réponse pour essayer de pouvoir de ses cheveux. Et qu'elle l'avait enfermée dans une tour. Non, jusque-là, je pense qu'elle méritait d'être contrôlée parce qu'elle était pas assez méchante déjà. Non, voilà. Comme ça, les gens qui connaissent pas le film vont croire qu'en vrai, elle était gentille. Ils vont la capter. Oh, c'est quoi, c'est son cœur, là? Uskushi! Je suis de la royauté! Non, de la noblesse! Bah oui, ça meurt, du coup. Elle meurt. Non, mais insupportable à faire. Oh, les 100 cœurs de la noblesse! Regardez ça! Maintenant, les 100 cœurs, c'est des humains! Et oui, on évolue! Avec nos petits chapeaux! Nous sommes les 100 cœurs Mary Poppins! Oh, la voix! Oh, ma voix, elle s'est barrée en chemin. Enfin bon, excepté les 100 cœurs Mary Poppins, passons à nouveau à la suite, parce que voilà, j'avais dit que je ferais des coupures. Attention, je vous avais pas encore montré mon nouveau sort. Wouh! C'est le sort Rafale! Et pas comme les avions. Non, pas comme les avions. Non. C'est juste du vent. Incroyable! C'est mon nouveau sort, voilà. À quoi a servi ça? Je sais pas, mais avec Rafale, regardez. Une fois que Rafale est presque fini. Pouf, ça fait du vent et je peux m'envoler et mettre des grosses patates. Voilà, c'est mon nouveau sort. Je suis pas fan. Mais bon, c'est mieux que rien. Des lapins! Parce que oui, réponse s'arrête pour tout ce qui bouge. Elle va s'arrêter pour les lapins. Elle va s'arrêter pour les oiseaux. Elle va s'arrêter pour l'eau. Elle va s'arrêter pour les pétales volants que je viens de faire s'envoler avec le vent. Elle s'arrête pour tout. Mais, si tu la suis, t'as des trésors. Donc, du coup, je vais pas me plaindre. En plus, je vais pas invoquer le joli carrousel. Incroyable, vous l'aviez pas encore vu. Eh bien, c'est le joli carrousel. Regardez, il faut appuyer en rythme. Paf, 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 paf. Bon, c'est OP les attractions, donc on va juste skipper. Brrr, c'est craqué. Et voilà. Et il en reste, attends. Ne tue pas les lapins. Les lapins, Sony. C'est mon chat, je l'appelle. Les lapins. Non, pas dehors. Dehors, il y a des oiseaux, mais pas des lapins. Il y a des lapins sur le balcon. Sony, y a-t-il des lapins sur le balcon? Oh, maybe they want to show us something. Let's follow. Suivons les lapins. Les lapins nous emmènent dans un fourré très profond. Les lapins sont dissidents. Mais les lapins ont trouvé un coffre. Et il y a quoi dedans? Moi, je dirais le sort RXX. Un stuff qui me permet de lancer le sort RXX. Je me suis trompé. Méga splash dans l'eau, ça aurait été exceptionnel. Réponse. Tu vas tellement prendre le karma. Nani! Oh, c'est agréable, MDR. Bah oui, c'est agréable, tiens. Ah non, elle m'a kidnappé. Elle n'a pas apprécié que je lui envoie de l'eau dans la bouche. Bref. Tout va bien, je suis de retour. Maintenant, c'est l'heure de prendre le karma. Oh, c'est de la triche. Non, alors ça, c'est encore plus de la triche, ça. C'est même pas légal. Oui, bon. Et voilà, pourquoi on s'est arrêté. C'est quand même bizarre comme fleur. Oui, clairement. Rapunzel. Don't worry. I know to be careful around flowers now. Whatever it is. C'est exotique comme phrase. I'll take a look. Sora, frappe dessus. Ça ira plus vite. Frappe dessus. Frappe dessus. Mets un coup de Keyblade. Ça sera vite terminé. We're all clear. Sora, je crois que la fleur essaie de te tuer. T'aurais dû essayer avant. Les simili. Les simili de Marluxia. L'homme avec les cheveux très roses. Ah, il est beau en vrai. Il est beau gosse. Rapunzel, Flynn, stay back. No, I want to help you fight. I know, but I'm afraid you can't hurt these guys with a frying pan. Oui, enfin, normalement, tu peux faire des dégâts
Could you explain? Normalement, tu peux faire des dégâts ou en cœur que à... ou en cœur. Bah, évidemment que c'est sa spécialité de fuir. Normalement, quand tu frappes avec quelque chose d'autre, comme une batte de baseball ou quoi que ce soit sur des simili ou des sans-cœur, ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que dans les Final Fantasy, quand t'avais les personnages Final Fantasy, ils arrivaient à frapper avec leurs épées? Je veux bien que la magie et les Keyblades soient les seules choses qui fassent des dégâts, mais dans ce cas-là... Dans ce cas-là, il faut s'y tenir, faut pas juste dire ça pour les poils à frire, enfin... Soit tu dis ça pour toutes les armes, soit tu dis ça que pour les poils à frire, enfin, faut faire un choix, faut faire un choix. Enfin bref. En avant! Ouais, c'était pas si dur que ça à battre en fait. C'est même super simple. Et tout la difficulté. Oui, maintenant je peux faire des contres. C'est super. J'apprends une nouvelle technique de jour en jour. Aussi, maintenant quand je suis en l'air, je peux me mettre un petit coup en bas mode BRE! C'est pas très gentil ça. My name is Marluxia. And yes, that is correct. How interesting it is to see you again, Sora. Il était au moment où Sora a perdu sa mémoire, etc. C'est même lui le chef des méchants du jeu où Sora avait sa mémoire toute chelou. Because I remember you exceedingly well. Although, it's those memories I'd soon erase. I'm sure you've noticed. Well, perhaps not. You're stupid. But you should know that maiden with you, Rapunzel, is the very light of this world. I would see you guard her from its dark horrors. Huh? Starting with you, right? All the organization seeks is balance. You must understand, our ultimate objective is not to clash with the light. We seek to complement it. Use that keyblade to keep Rapunzel safe. Donc si j'ai bien compris, en fait c'est que le but de l'organisation, si les gars qui ont le Keyblade de la lumière ne sont pas assez puissants, ils vont récolter les 7 princesses de la lumière pour forger leur Keyblade ultime. Voilà, c'est à peu près ça, c'est pour ça qu'ils veulent pas que Réponse crève, parce que c'est une des nouvelles princesses. Parce qu'il y avait déjà les princesses originales dans Kingdom Hearts 1, mais elles ont changé. Elles ont switch leur rôle. Genre elles ont désigné une Bref. Une autre princesse. Sauf Kairi qui était une princesse qui n'a désigné personne, du coup bah elle est encore princesse. C'est pas très très sympa. Nous sommes perdus dans le marais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon invocation favorite pour nous aider contre les simili. Parce qu'on cherche toujours Réponse et Flynn qui se sont enfuis beaucoup trop loin. En attendant, nous avons donc Ralph. Parce que Ralph est OP. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, on peut construire des trucs avec lui, c'est Minecraft, concrètement. C'est super. C'est super. Ça fait plein de lumière, ça tombe bien, on n'y voyait rien. Ça tombe bien. Et voilà, et maintenant on a stun tous les simili et là... YOLO! BAM! C'est efficace, voilà. C'était Ralph. Et voilà, maintenant recoupure et je vous reprends quand on sera plus dans le marais, qu'on sera enfin retrouvé... Oui, qu'on aura retrouvé le chemin en fait, tout simplement. Bah c'est quand même bizarre ça comme petit paysage. Oh c'est... Pourquoi pas? Ah oui d'accord, non mais pas de respect, ça va. Je vois Twilight Princess, c'est bon, les singes qui se foutent de ma gueule comme ça, on connaît. On connaît maintenant. Par contre ils sont violents. Ils sont super violents. Est-ce qu'on peut genre tirer sur celui qui est en haut? Ouais ça a marché. Ok, il faut qu'on tue tous les singes. Ils sont insupportables. Non, vous n'approcherez pas de cette tour. Il y en a un qui a réussi. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai le marteau. Le marteau du shérif de l'Ouest. Ah oh. Ok, vous inquiétez pas, ça gère encore une fois. Voilà. Bam. On se débarrasse, hein. Clairement. Il y en a encore. Il y en a partout. Donald, il nous faut ton aide. Il nous faut le Donald magique qui balance des fusées. Il nous faut la foreuse. Le mixeur, comme on l'appelle. Le mixeur qui est parti et qui n'a pas le temps. Oh non, il y a un singe qui a réussi. Ok, c'est pas grave. YOLO! C'est une réussite.
Ok, c'est bon. Ok, il est... Ok. Il est immortel pendant qu'il fait son animation, je vois. Pourquoi pas. C'est un peu de la triche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, il est plus immortel. Il peut remourir. Et ce n'est pas fini. La tour se transforme en chariot. En chariot cheval. Magnifique. Oui, j'avoue, c'est quoi ton problème, Flynn, avec les chevaux? Vraiment, tu nous portes malheur, mais à un point. C'est pas grave. Bam, bam. Ouh, mais vous inquiétez pas. Je gère la situation. Tout n'est pas encore perdu. Dingo Launcher. Et tout va bien. J'ai encore les pistolets. Ouh. Voilà, on peut faire des bons dégâts. Oh oui, ça fait mal. Ah, ça souffre, oui. Brasil XX. Ah oui, oui, c'était beau. Il est mort? Ah non, ah non. Excusez-moi, ce n'est pas terminé. Ah ouh. Ok, je peux invoquer quoi? Je peux invoquer le Mega Splash. Mega Splash contre cheval. Pourquoi pas? Ah, il va pas faire le malin. Ah, ça, je vous le dis. Le Mega Splash, c'est plus puissant. Par la puissance de Center Parks. Oh, voilà. Aqualand et sponsorise cette vidéo. Tu dois boire tellement la tasse là-dedans. Yay! Final Splash! Ok, ça c'est bon. Aïe, aïe, ok, ok. Vous inquiétez pas. Je vais spammer brasier. Ça marche pas. Je spam brasier, ça va marcher. Ça marchera un jour. Et alors voilà. Il n'a plus qu'un seul chariot. Mais il va mourir. Soutien capillaire. La puissance des cheveux. Et de Flynn. Scushy. En avant. Air Launcher! Tout est un launcher ici. Ok, vous vous souvenez quand je vous ai dit ne paniquez pas, tout est. Je maîtrise la situation. J'ai peut-être un peu menti. Bien joué, Donald Mail, on peut y retourner. Oui, oui, oui. Ok, vous inquiétez pas, on gère. Ah, bon bah, ils attendent que je mette le dernier coup, bah, on peut attendre très longtemps. Mais je suis gentil, donc je le mets. Voilà, je suis quand même sympa. Voilà, maintenant j'ai appris hyper saut. Hyperso, c'est super cool. Je vais vous montrer le sort. Je ne fais pas d'ellipse pour l'instant. Je vais vous montrer le sort parce que Hyperso est vraiment hyper bien. Oh, c'était vraiment trop drôle ça. Alors, je me permets de regarder s'il n'y a pas d'autres compétences qui traînent. Non, regardez-moi ça, réponse là, magnifique. Tu feras quoi quand on aura plus de cheveux? Pas grand chose. Regardez, donc Hyperso, c'est donc ça, c'est mon saut normal. Et là, bam, ça c'est Hyperso. Je peux rebondir sur un mur. Comme dans Dream Drop Distance. Sauf que dans Dream Drop Distance, donc le jeu sur 3DS, tu pouvais faire ça, puis... Bon, là, c'est raté. Tu pouvais faire ça, sauter, rebondir sur un mur, ressauter. Là, tu peux pas. Voilà, vous voyez, je spam. Je ne peux le faire qu'une seule fois. Et donc, bah, le move est beaucoup moins OP, mais il reste super puissant. Hein, parce que clairement, pouvoir rebondir comme ça... Regardez-moi les... Enfin, je veux dire... Regardez les distances que je parcours désormais. Parce que je me dis qu'effectivement cette zone là sera un peu cancer à naviguer quand on aura plus les cheveux de réponse. Et donc je pense que c'est là qu'intervient l'hyperso. Grâce à l'hyperso on pourra quand même se voyager dans la zone sans même avoir les cheveux de réponse qui pourront nous balancer partout. Donc voilà, maintenant re-ellipse jusqu'à ce qu'on se retrouve au château ou à une cinématique. Y a-t-il une cinématique par ici? Je pense pas. Donc on va se retrouver au château. Oui bon bah finalement on se retrouvera pas au château parce que bah réponse avait des oiseaux. T'inquiète pas réponse, je vais les capturer. C'est des Pokémon, ça reste des piafs avec. C'est simple. Regarde. C'est simple, réponse. Tu t'approches. Tu t'approches doucement. Tu prépares tes Pokéballs. Pokéball go! Je suis une Pokéball. Ah, ils font une petite chanson. Non, ils font... Oh non. Oh non, ils font le thème insupportable en boucle. Je gère. Je gère. Je gère. Je gère. Abonnez-vous pour cette action incroyable. Les oiseaux sont là! En voilà un drôle d'oiseau! Ah, c'est drôle ça. Hein. Oui, mais si vous pouvez arrêter de chanter. Ah, parce que. Ah, la trompette là, la flûte, je sais pas ce que c'est. C'est censé être les oiseaux. Enfin, bah, je viens de réagir, genre j'ai pas réagi au début, mais.
c'est pas vraiment un cri d'oiseau. Enfin bref, on se retrouve vraiment au château pour une fois. Je me suis un peu trompé. C'est parti pour la descente de l'espace. Donald, ça va? Donald, est-ce que ça va? Bon. On fera ça pour les coffres une autre fois, là on s'en bat les couilles. Toboggan. La descente. On se croirait dans le mini-jeu Winnie l'ourson dans Kingdom Hearts 2. Et ben voilà, ben, on est arrivé. Ben j'avais pas menti, on est de retour au château. Et c'est beau en vrai. Non vraiment, le jeu est beau. Et je suis pas en 4K. Dites-vous bien ça. Non, c'est beau. Eh bien, c'est parti pour l'exploration de la ville. Bon, moi, je vais explorer un peu de mon côté. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à part fouiller et trouver les emblèmes et les coffres. Si, par contre, ce qui est important de préciser, c'est quand même que, genre, la ville est vraiment sympa et elle est... Bah, elle ressemble à celle du film, en fait. Si vous comparez avec celle du film, je crois, hein, c'est ma copine qui m'a dit ça, genre, elle se ressemble de ouf. Regardez là-bas, le phare. Magnifique. Nous voilà dans la meilleure partie du jeu. Vous ne l'avez pas encore vu? Le mini-jeu de la danse! Et réponse qui a fait une tresse. Oui, enfin, réponse. De toute façon, on pourra plus se battre avec toi, c'est dommage. C'est quand même bizarre, remarque. Princesse disparue. C'est son anniversaire. Elle a la même couleur d'yeux et de cheveux que moi. Elle me ressemble un petit peu. Non. Je vais donc danser. C'est le bruit qu'il a fait à peu près. C'est un doux ça. Allez danser tous devant votre écran. Pas moi. Regardez ça, c'est le meilleur mini-jeu du monde. Il faut imiter les gens et après tu danses avec eux. Ouais. On a l'air de beauf, ça y est. Super. Petit pas. Non, attendez, j'ai dit petit pas. Petit rond. Et là, bam, on amuse la galerie. YOLO, dubstep Sora. Petit pas, on tape des mains. Regardez-moi, c'est beau. genre juste. Et la tour sur soi. Dep. Petit pas. Tep. Y'a tout le monde dans la danse, c'est parti. Oh, attendez. Bleu c'est croix, rond c'est rouge. C'est logique, c'est la vraie couleur. Ah merde, je m'étais pas rendu compte ça de... que c'était les vraies couleurs la première fois que j'ai joué. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple du coup maintenant. Est-ce qu'on va faire une ronde complète? Là concrètement, moi je suis chaud. Je suis chaud pour la ronde. Apparemment, ils en ont rien à foutre. Et on finit en beauté. Yay! Waouh! Ça va, Flynn? Il fait comme moi, il marche comme moi en mode ouais, c'est la fête. Qu'est-ce que je fais là? J'en ai dansé toute la journée, regardez, il fait Gen V. Petit pas. Tep, ça va beaucoup plus vite. Ça va trop vite. Le dubstep. Wouhou. Petit pas. Petit rond. Oh what. Sora ce beau gosse. Eh mais Kairi, qu'est-ce qu'elle va dire si elle voit ça? Et c'est parti, tout le monde dans la danse. Jusqu'à la nuit. Ça va sûrement être la séquence la plus longue de la vidéo, la danse. Rien à foutre, c'est trop fun. C'est drôle en fait, surtout. Ça va vite. Ça va plus vite. Tep. Les champions de la QTE adoreront ce moment. Oh là là, c'est. En vrai, j'en ai raté aucun pour l'instant. Enfin, on fera sûrement le mini-jeu pour avoir des gros scores. Mais là, j'ai quand même réussi à faire une bonne chaîne de 54 sans me rater. Ouais. Oh. Oh ils sont mignons. Applaudissez tous. Voilà. Rappelons quand même que son vrai nom à Flynn c'est Eugène. Désormais on va arrêter d'applaudir. Désolé à tous les Eugènes de France. C'est pas ouf. Là c'est la scène la plus belle. Pas que dans le film hein, juste d'un point de vue
Genre c'est un délice pour les yeux. Non, ouais, c'est beau. En vrai, genre Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 4, à quoi il va ressembler? Genre si déjà le jeu est tellement beau, au point que cette scène, tu pourrais croire qu'elle vient du film directement, quoi. Juste ça, pas les personnages, tu peux voir qu'ils viennent d'un jeu. Mais genre juste ça, tu pourrais croire que ça vient du film. Moi, tu me dis que ça vient du film, j'y crois. Ça aussi, moi j'y crois. Pascal, j'y crois. Bon, là, j'y crois moi. Pascal, ce tueur en série, moi j'y crois. C'est ultra beau. Sérieusement, Kingdom Hearts 4 va être insane. 5, encore plus. 10 Est-ce que je vivrai pour Kingdom Hearts 10? Non, ça se finira avant, normalement. Le gars mourra avant moi. Tu fais Kingdom Hearts. Alors, il s'avère que cette sacoche, tu l'avais laissée chez toi, par contre. Incohérence? Oui. Waouh! Est-ce qu'on va maintenant parler de cette incohérence? T'as laissé la sacoche chez toi et elle a pop dans tes mains. C'est un Disney, on s'en bat les couilles. Non, apparemment, d'après ma copine qui est fan de réponse. Normalement, dans le film, elle emmène la sacoche avec elle. En vrai, Flea, on pourrait y croire. Hein. Surtout les cheveux de réponse qui ont un peu une couille. Mais en soi, tu pourrais croire que Flynn y vient du film. C'est faisable. C'est possible. Oh, le gars, il ruine la soirée avec une meuf. Ok. I'll be right back. Faut jamais dire ça. Faut jamais dire je reviens vite. Dans un film comme ça. Regarde Pascal! Il va t'assassiner si tu reviens pas. Ah oui, bah on a oublié, on était là en touriste, nous, c'est vrai. Excusez-moi, j'avais zappé. Et on n'est pas les seuls touristes à ce que je vois. C'est vrai qu'en mode bon. It's time to get to business. Si, si, sur... au contraire, je trouve qu'ils choisissent très bien le moment. Parce que ça nous permet de jouer et de nous battre dans une scène magnifique. Regardez-moi ça, genre juste dans le ciel. Il y a les lanternes et tout. Genre on se bat avec une scène comme ça. Genre moi je pensais pas honnêtement que bah on pourrait y jouer. Je pensais que c'était juste pour la cinématique. Mais non, on se bat dans cette scène. Parce que pourquoi pas. Bon, est-ce que je peux les griller? Ouais, yes. C'est leur faiblesse à ces fleurs. Le feu, ça semble logique. Oh, transformation. Vous allez moi faire les malines. Fallait pas venir à ma soirée la plus exceptionnelle. Parce que du coup vous allez crever. C'est à mon épisode le plus exceptionnel, moi je sais pas. On verra si mon montage passe bien. YOLO, je remarque qu'à la fin on fait beaucoup moins de montage. En fait c'est surtout que ce que je voulais le plus couper dans ce monde. Oui oui, je me permets de vous parler. Ce que je voulais le plus couper dans ce monde en fait c'était bah, tous les moments où on allait voyager parce que c'était le moins important. Parce que vous auriez bien vu des montagnes etc, vous m'auriez vu courir, tuer des groupes de mobs, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose à dire, pas grand chose à commenter, pas grand chose à voir. Donc voilà, c'est sympa de... Je vous ai montré quand même des petits moments où genre je combattais, des petits moments où je me baladais, genre tous les moments où réponse interagissait avec quelque chose. Parce que concrètement, je trouvais que c'était important quand même que vous voyiez un petit peu le monde, à quel point il est beau, à quel point il est éventuellement cohérent par rapport au film original. Mais principalement, voilà, il y a beaucoup de moments qui étaient un peu osef. C'est pour ça que je préférais faire ça un peu en condensé. Quitte à faire ça en semi-condensé pour la prochaine fois, c'est-à-dire que je coupe tous les moments justement où bah, on se balade et qu'on fait pas grand-chose. Ça permettrait bah, d'aller plus vite dans les épisodes. Donc d'avancer plus vite, parce que là, concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu plus de choses que Pirates des Caraïbes. Parce que je vous rappelle que j'ai fait... Alors pour ceux qui sont, par exemple, tout nouveaux sur ces vidéos, d'habitude, je faisais pas ça en condensé comme là, avec du montage. D'habitude, je faisais ça d'une seule traite, mais du coup, un monde faisait 40 000 épisodes. Et voilà. Mais concrètement, j'avais déjà fait en plus une scène partie jusqu'au monde Pirates des Caraïbes. Donc moi, bah, moi, je suis étonné de rien parce que je connais déjà tout ce qui se passe jusqu'à Pirates des Caraïbes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer assez vite pour arriver au moment intéressant. Parce que là, concrètement, moi qui me balade dans la nature pendant deux épisodes, je pense pas que ça vous aurait intéressé. Donc voilà, je préfère faire un mini condensé, quitte à couper juste les passages chiants. Qu'on fasse un ou deux épisodes sur chaque monde, mais qu'on ait que les moments intéressants en fait. Si vraiment, là, c'était pas extrêmement ouf, que j'ai coupé un peu trop des cinématiques, eh bien on verra ça
prochain épisode, on changera. Mais là, voilà. J'ai aussi coupé tout de suite une cinématique où la mère de réponse venait nous voir en mode « Bonjour, vous savez où aller ?» On est en mode « Mais parce que cette cinématique était inutile. À part pour savoir que la mère la cherchait, on s'en fout. Concrètement, on s'en fout. C'est des trucs comme ça, voilà, que j'aimerais bien couper pour qu'on aille un peu plus vite parce que c'est pas toujours intéressant. Et donc voilà, maintenant, je vais recommencer les petits cuts. C'est parti à nouveau. Mon dieu, Eugène est baïonné. Non, en fait, j'ai dit qu'on recouperait, mais là, Eugène, il est trop normal. Oui, parce que c'est vrai que d'ici, elle va voir la couronne, surtout dans cet angle-là. Ça valait le coup. Oh dear, he's run off with the crown and forgotten you. Alors, le meilleur plan pour essayer de convaincre quelqu'un que tu as raison, c'est peut-être pas de pop dans un portail des ténèbres en mode « Salut, c'est moi, je suis gentil. » Mon dieu, réponse va se faire kidnapper. Rapunzel. Waouh. Sa mère a réussi à tous les tuer. Rapunzel's hair holds the powerful magic of healing. And yes, Mother Gothel wants it for herself, as do others. Enfin, on dit qu'elle est méchante. Mother Gothel's actions will protect Rapunzel, preserve her. Then she is doing the organization a favor. Parce qu'ils veulent les princesses vivantes. Let's say she's keeping Rapunzel on the shelf for us. Voilà. An extra pawn in case you fail to find the remaining Guardians of Light. And we have occasion to call on other Hearts of Light instead. Voilà. A new 7 hearts to fill out the ranks. Voilà. Then it's lights out for you. Le pouvoir du scénario, c'est parti. Nani? Bruh. You always were such a sound sleeper. Et c'est fini. En avant, bonjour à tous, nous sommes de retour. Et nous allons secourir Réponse avec l'aide de Flynn, Eugène et Maximus. Flynn s'appelle Eugène, c'est pas Flynn, Eugène, Maximus, son prénom, ça serait bizarre. En avant! Vas-y, Eugène Flynn! Magique! On a des clés magiques et des bâtons magiques et des boucliers magiques, alors on va gérer. En avant! Rapunzel, I thought I'd never see you again. Huh? Bon, c'était violent. Moi qui pensais que c'était juste un de ses fantasmes. Rapunzel. Maintenant je meurs, donc je m'en bats les couilles. Pas de bol. Pas très belle. Le cancer s'installe en moi. Pascal, le tueur en série, de retour pour un nouveau meurtre. Fils de pute, Pascal. Je savais que t'étais dans la mafia, mais quand même. Respecte. Oh, bon, les couilles. Par la puissance de la transformation en son cœur. Pouf. Bon, par contre, il restait plus que la cape, hein, donc je sais pas ce que t'as transformé, Marluxia. Excusez-moi. Ça sert pas à grand-chose. C'est le seul Kingdom Hearts 3. N'importe quoi. C'est le seul Kingdom Hearts où les personnages Disney se transforment en sans-cœur. Dans les Kingdom Hearts d'avant, ils voulaient transformer les personnages Disney en sans-cœur, mais ils ont jamais réussi. Et là, c'est le premier où ça arrive. Et ce ne sera pas la seule fois. Ok. En vrai, genre, l'idée est. Il y a un design, hein. Genre, c'est un serpent parce que la meuf c'est une vipère, c'est une menteuse et tout ça. C'est un arbre parce qu'elle vit dans une forêt. Elle a sa petite coiffure choucroute de merde là. Et
Et elle a plein de mains parce qu'elle est moche. Et elle a les yeux de la folie aussi. Elle a un design, elle a un design. Ah, ils sont bêtés à chercher. Ben. Pour le combat final, il n'y aura aucun cut. Rien à foutre. Ils sont déjà bien assez courts comme ça. Rien à battre. La puissance de Sora. Et en plus, c'est pas fini. Méga marteau. Aïe, 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 aïe. Ne vous inquiétez pas, je gère. Je gère. La fougère. Oh, ça, c'est pas de chance. Oh, les coups de marteau que tu as bouffé. Oh, mère Gothel, Gothel, go. Ouais. Mère, tu vas prendre cher. Oh, sa mère, comme on dit, hein, MDR. Très drôle. Oh, là, c'est pas mal. Bras mixeur. Que se passe-t-il? Au secours. Ningen. T'inquiète pas, je vais te choper. Ok. Hip. Elle fait tomber des pommes explosives. Tout va bien. Je maîtrise. J'ai failli mourir, mais je maîtrise. Encore. Ça va, ça va, ça va. Les pommes explosives ne feront rien à Sora. Il est bien trop beau gosse. Oh non, mais non. Il fallait pas faire ça, Sora. J'ai fait ça au pif. Vous inquiétez pas. Il nous reste notre technique ultime. Êtes-vous prêts? Ok. Donald. Météore. Bam. Nani. Ok, et maintenant c'est l'heure du bazooka. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais pendant toute la phase de poursuite, j'ai fait upgrade mes Keyblade. Je les ai fait évoluer juste pour ce combat. Juste attendu ce moment là C'est pour ça que j'ai un bazooka dans ma poche. Ok. T'inquiétez pas. Elle est où? On a plus de transformation. Ok, alors tout ce que j'ai économisé jusqu'ici n'a désormais plus d'intérêt. Que se passe-t-il? Est-ce que... Je ne sais pas. Ah. 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 Oh. C'est violent. Ne vous inquiétez pas, on gère, on gère. Attaque spéciale. Ragnarok. Bam. Oh, dans les cheveux. Ok, on peut encore... Oh, elle est trop loin. Ou alors elle va se téléporter. Ah non, elle est juste trop loin. Ok. Ragnarok numéro 2. Et là on pourra plus en faire, on a plus de jauge. Bam. Ok, ouais, on n'a plus aucune jauge. Oula, non, 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 non. Amalie. Amalie, j'ai pas de quoi me... J'ai pas de quoi la dégager. Voilà. Si j'avais eu feu, je pense que ça serait passé, mais non. Il va falloir utiliser un dingo launcher. Aou, aou. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. En avant, dingo. Ouh, on est bon. Dingo launcher. Ouh, il a pris de dégâts. Ok, avec un petit brasier. Ouh, la fleur. Ok, brasier, c'est effectivement sa faiblesse. Ça étonne personne. Au moins, vous le saurez. Oh oui, les dégâts. Ils sont pas légaux. Attendez, là-bas. Une attraction. Méga splash. Méga splash peut sûrement passer au-dessus des barrières. Ok, en avant. On n'a pas le choix. Méga splash. Effectivement, ça passe au-dessus des barrières qu'elle crée. Ok, on annule méga splash. Faut pas utiliser coup de grâce, sinon on va revenir tout au début. Il va falloir qu'on refasse toute la route. Hop. Bam. Oh, et là le Aquilon. On la suit dans la descente. Oh, Warida. Tu vas brûler avec la forêt. Ah. Bon bah, reviens s'il te plaît. Ah non. C'est pas parce que tu arrives à me lier que tu peux me vaincre. Victoire. Claire, net et précis. Genre clean. Clean as fuck. Et je vous laisse la dernière cinématique. Parce que je suis mignon. Eugène. Regarde ça en vrai. On dirait que la cinématique a été préparée à l'avance avec l'effet de lumière qu'il y a. Elle a peut-être été préparée à l'avance, remarque. Flower gleam and glow. Let your power shine. Make the clock reverse. Réponse. Les droits d'auteur. Pense-y.
Rapunzel. You were my new dream. Dans la Reine des Neiges, il y a plein de cinématiques faites à l'avance, dont Libéré, délivré, que je ne vous montrerai pas du coup parce que je vais me prendre un copyright. Enfin, un copyright violent, genre ma vidéo sera pas visible, donc j'aurai pas le choix. Mais je pense que celle-là a été faite à l'avance. Parce que c'est beau. Alors juste regardez leur style. Si ça n'a pas été créé à l'avance. C'est juste que le jeu est beau de base. Le gêne. Heal has been heard. Change the fate's design. Save what has been lost. Bring back what once was mine. What once was mine. Ne t'inquiète pas, j'ai le yo-yo pour payer. Pay respect. Pay SF to pay respect. Il a ressuscité par la puissance de la lumière comme le yo-yo. J'arrive plus à l'arrêter, j'arrive plus à la. C'est bon. Non, le chat. Le chat adore le yo-yo. J'ai tiré le chat sans faire exprès. Oh, c'est beau. Y'a pas à dire. Y'a un truc. Là, tu pourrais croire que c'est le film. Oh, c'est beau. Oh, ce Nivien là. Regarde ça. Tu veux pas regarder? Rapunzel, tu restes avec moi. Eugene. Jusqu'à la fin de la cinématique. Did I ever tell you? I've got a thing for brunettes. Eugene! Arrête ta tectonique! Bon, bah c'est une réussite. Il est temps de partir de ce monde. Wow, Rapunzel, you're finally gonna get to see your real home. I know. I mean, I can't believe it. I can finally be with my real family. I couldn't have done it without your help. J'ai oublié un détail. Il y a tout le temps des cinématiques après la fin des mondes. And I couldn't have asked for better sidekicks. Thanks. Yes, thank you so much. Now, Flynn, you and Maximus play nice. Huh? Fine. You're gonna be great. Huh? We haven't seen the guy controlling the monsters in a while, so that's one less worry. But there's still a chance that he might be around here somewhere. Well, if he comes back and tries to bother Rapunzel again, then Flynn will keep her safe. Je suis pas sûr que and we ça three won't be far behind. Come on! Rapunzel's the tough one, if you ask me. True. C'est vrai. But nevertheless, I won't let her out of my sight. Oh, Eugene. Eugene? Oh, that's my real name. Eugene Fitzherbert. That's right. I never told you guys. That's different. Oh, I think it's a great name. Me too. Nice to re-meet you, Eugene. Hey, I thought I was the only one you were going to tell. Don't worry. I've saved plenty of Fitzherberty secrets just for you. Really? Ok. Hey, what are you two lovebirds talking Comme about? On est dans un jeu pour enfants, rappelons le. Nothing. Yeah, it's not nice to keep secrets. C'est dit? This one is none of your business. Maximus, get him. Huh? Oh, Pascal se tue en série. Il voulait juste ses petits secrets. Il s'est fait assassiner pour ça.
le chat est de retour. Et voilà la Keyblade de réponse, qui est vachement cool. C'est l'heure de la cinématique. What? We're too late? Yes. Evan would know all about the replicas from his time as Vexen in the organization. He was recompleted like the rest of us, but he didn't regain consciousness. After Lee left, he must have woken and taken his leave. Alias here and Dylan went out and turned the whole town upside down to try and find him. But no Evan. Parce qu'ils ont pas son doubleur ou comment ça se passe? That's not good. What about his research? Unfortunately, his work on the replicas was incomplete. There may still be documents around, but all of them from well before he made any significant progress. Do you have any idea where he might go? There's no place that he could go now that he's human. He has no means of leaving this world. The dark corridors are beyond his faculties and mine now. Oh, but not everyone's. What if Evan was taken? Of course! The organization could also use the replicas. To fill out their ranks. We better go tell Master Yen Sid. And Sora, and the others too. Ok, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il veut créer des répliques, ce gars? C'est sûrement important en vrai, parce qu'on pourrait se dire, wow, c'est juste son truc, c'est juste ses recherches, il a juste envie de faire ça. C'est... Mais je pense qu'il y a une couille derrière. Saïx, le beau gosse. Humanity is a precious gift. And yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition, no matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel, Vexen. Il est déjà contrôlé vu ses yeux. Mais oui, du coup, ça semble être un bon choix si c'est pour faire venir notre réplique. Sûrement Roxas. Oh putain, Roxas, je pense qu'il va pas être du côté des gentils, malheureusement. Et maintenant, on peut changer de monde. Bah, nous voilà dans le deuxième monde où nous avons Monstre et Compagnie et la Reine des Neiges. Incroyable. Du coup, prochaine fois, Monstre et Compagnie, et après, Reine des Neiges, et après... Et après... Vous osez me demander ce qu'il y a après la Reine des Neiges? Pirates des Caraïbes! Donc concrètement, si je continue de faire des condensés, d'ici la fin de la semaine, si j'arrive à parler, on sera à Pirates des Caraïbes. Et donc on aura rattrapé mon retard, je commencerai à apprendre des choses que je ne connais pas. Mais si je ne fais pas de condensé, il se peut qu'on y soit dans 2 semaines. Ou dans une semaine et demie. Ça va être plus long, effectivement. Enfin voilà, on va voir. De toute façon, je verrai ce que ça donne, je verrai si moi j'aime bien la vidéo, je verrai si vous l'aimez bien. Regardez quand même, là je vous ai condensé 2h30 de playthrough. Ce qui aurait fait 2h30, ça aurait fait 5 épisodes. Environ 5 épisodes. Ça aurait été très long. Je vous ai fait tout ça en un épisode. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il y a du Kingdom... Voilà, j'arrive plus à parler, décidément. Il y a du Kingdom Hearts 3 chaque jour. Tout le temps.
c'est la fête. Et plein d'autres jeux, il y a du Dragon Ball légèrement, on a du Minecraft modé avec d'autres youtubeurs comme Tenebi Carnosa, Luender. On va pas tous citer, c'est pas grave, on oublie Zarathnos, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs. Donc maintenant je vous dis à plus et à la prochaine, à demain même sûrement pour le prochain épisode. Zou! Faut que je travaille le montage par contre là et que je poste les deux vidéos du jour. Allez, zou!